Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes sixièmes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de lundi, toujours dans le thème, dans le chapitre division, d'accord? Et aujourd'hui, on va parler donc de multiples et de diviseurs. Alors, ça tombe bien parce que c'est étroitement lié avec la notion de division euclidienne qu'on a vue dans la vidéo précédente. Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est un multiple et ce que c'est un diviseur, et ensuite je ferai le lien avec la division euclidienne. Alors, je rappelle un petit peu quel était le principe de la division euclidienne à la vidéo dernière. Je rappelle déjà premièrement que ça portait sur des nombres entiers, d'accord ? Cette vidéo-là et la vidéo précédente portent exclusivement sur des nombres entiers. Avec les nombres décimaux, on verra ça une prochaine fois. Donc, la division euclidienne de deux nombres entiers, du dividende par le diviseur, et bien en fait, c'est une division qu'on met en place lorsqu'on veut chercher la taille donc des différents paquets. Je vous rappelle, par exemple, on avait 16 bonbons, on a 16 bonbons, on veut le partager entre 3 personnes. 16, c'est le dividende, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut partager. 3, c'est le diviseur, c'est en combien de paquets on veut le partager. Ensuite, on trouvait un quotient, donc la taille de chaque paquet, et un reste, ce qui n'était pas donc utilisé. Et on avait vu un petit fait important, c'est que le reste était toujours plus petit que le diviseur. Si ça n'était pas le cas, il fallait continuer jusqu'à ce que le reste soit plus petit que le diviseur. Voilà, donc ça c'était la division euclidienne, on la met un petit peu de côté, pas trop loin, on va la reprendre après, et on va s'intéresser un petit peu ensemble à ce qu'est un multiple et un diviseur. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce ne sont pas des notions compliquées, je vais les expliquer en 2-3 petites lignes ici, à chaque fois. Et ensuite, on pourra faire le lien entre les multiples diviseurs et la division euclidienne, parce qu'il y a un lien, d'accord? Alors, on y va. Ici, c'est la colonne des multiples, ici, c'est la colonne des diviseurs. J'ai pris deux exemples. 6 est un multiple de 3. Pourquoi? Et c'est là que je vais expliquer un peu. Car, alors, multiple de 3, cela veut dire que 6, c'est la même chose dans votre tête, 6 se retrouve dans la table de 3. C'est effectivement vrai, et donc la justification, ce sera toujours avec un petit calcul pour le prouver. Eh bien oui, si on regarde, 6 est égal à 3 fois 2. D'accord? 6 est bien dans la table de 3, puisque 6 est égal à 3 fois 2. Donc 6 est un multiple de 3. Alors, petite première précision, un multiple, 6 est un multiple de 3, un multiple est toujours plus grand que son prédécesseur, d'accord? Donc 6 est plus grand que 3. 15 n'est pas un multiple de 7. Pourquoi? Est-ce que 15 est dans la table de 7? Absolument pas. Si on regarde 7 fois 2, ça fait 14. C'est trop petit. Et 7 fois 3, ça fait 21. C'est trop grand. C'est-à-dire que 15 ne se retrouve pas dans la table de 7. 15 n'est pas un multiple. Voilà, donc ça c'est pour la colonne multiple. En gros, un multiple, c'est un nombre qui se retrouve dans la table de 3, dans la table de 7, puis peu importe la question, est-ce que, je sais pas, est-ce que 16 est un multiple de 2? Oui, 16 est un multiple de 2, car 16 s'écrit 8 fois 2. D'accord? C'est le principe. Alors, vous allez me dire, oui, monsieur, on pourrait très bien écrire que 15 est égal à 7 fois un nombre décimal, et ça fonctionnerait. Vous aurez raison. Mais là, ici, je vous rappelle que tout ce qui se passe dans cette vidéo, comme dans la vidéo précédente, on ne travaille qu'avec des nombres entiers. Et les multiples et diviseurs ne portent que sur les nombres entiers. En tout cas, dans ce chapitre-là, en sixième. D'accord? Donc là, multiple et non multiple. D'accord? Bien. Eh bien, en fait, le chemin inverse, il y a une autre façon de considérer le multiple, c'est en parlant de diviseur. Eh bien, si 6 est un multiple de 3, donc 6 est dans la table de 3, on peut dire également que 3 est un diviseur de 6. Là, ça se comprend très bien, ça veut dire que 3 divise 6. Et si on fait l'opération en ligne, 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Bon, alors ça, ça se fait de tête. Hein. Mais si, par exemple, vous devez tester avec de très grands nombres entiers, vous prenez la calculatrice, vous tapez, et si vous trouvez donc un nombre entier au résultat ici, au quotient, eh bien, cela veut dire que 3 est un diviseur de 6. De la même manière, 7 n'est pas un diviseur de 15. 7 ne divise pas 15. Pourquoi? Eh bien, si je prends 15 divisé par 7, je tombe sur 2,14, alors une valeur approchée. Est-ce que 2,14 est un nombre entier? Absolument pas. Donc 7 n'est pas un diviseur de 15. Ok? Voilà. Multiple, diviseur. Multiple, c'est quand on appartient à la table de multiplication. Hein. 6 est un multiple de 3 parce que 6 est égal à 3 fois 2. Et diviseur, c'est quand la division donne un nombre entier. Est-ce que 3 est un diviseur de 6? Oui, puisque 6 divisé par 3 est égal à 2. 2, c'est un nombre entier. En revanche, 15 n'est pas un multiple de 7, hein, parce qu'il n'existe pas de multiple de 7 qui donne 15. 7 fois 2 égale 14, 7 fois 3 égale 21, ça ne fonctionne pas. Et de la même manière, 7 n'est pas un diviseur de 15, d'accord? Puisque si on fait la division, on tombe sur un nombre
qui n'est pas entier. Bien, d'accord. Rappelez-vous toujours, le nombre là, lorsqu'on parle de multiple, est toujours plus grand que celui-ci. Hein. Si c'est un multiple de 3, il est plus grand. 3 est un diviseur de 6. 3 est plus petit que 6. D'accord ? Multiple diviseur. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice pour comprendre la notion de multiple diviseur. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien entre multiple diviseur et la division euclidienne. Donc je vais vous faire ça tout de suite sur un exemple. Alors on va prendre ensemble la division euclidienne de 75 par 3. Pour l'instant, aucun rapport avec les multiples et les diviseurs. On réalise la division euclidienne comme dans la vidéo précédente. Et on va ensuite écrire quand même l'égalité euclidienne comme on l'avait fait dans la vidéo également précédente. Alors on y va. Pour ça, je vais aller un peu plus vite. Hein. Je prends donc que le 7. Dans 7, combien de fois 3? 2 fois. 2 fois 3, 6. Je fais ma soustraction, il reste 1. J'abaisse le 5. Dans 15, combien de fois 3? Eh bien, 5 fois. 3 fois 5, 15. Il reste 0. Est-ce que j'ai un chiffre encore à baisser? Absolument pas. Est-ce que le reste est plus petit que 3? Ah bah oui, le reste est 0, on ne peut pas faire mieux. Donc là, on a fini ici. Première fois que l'on tombe, en tout cas depuis la vidéo dernière, première fois qu'on tombe sur un reste nul. On écrit l'égalité euclidienne associée. Alors on sait que le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Donc plus le reste, bon, on écrit plus 0. Ça ne nous apporte pas grand-chose. On réécrit cette égalité en enlevant 0. Voilà. OK. Ça, c'est la division euclidienne. Bien. Alors maintenant, c'est là que je vais faire le lien avec multiple et diviseur. On se rappelle que multiple, être un multiple 2, ça veut dire appartenir à la table 2. Alors si on regarde cette égalité-là, 75 est égal à 3 fois 25. Ça veut dire que 75 est dans la table de 3, mais également dans la table de 25. Tiens, tiens, ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur les multiples, ça, eh bien exactement, ça veut dire que 75... est un multiple de 3 et de 25. Première information. Et de la même manière, 3 est un diviseur de 75, tout comme 25. Est un diviseur de 75. Voilà, alors je ne vais pas vous le forcer à l'accepter, on va ensemble reprendre ce que j'expliquais tout à l'heure pas à pas pour vérifier si c'est bien vrai ce que j'ai dit. Alors on commence par la première, 75 est un multiple de 3 et de 25. Ça c'est vrai puisqu'on voit que 75 est égal à 3 fois 25, ça veut dire qu'il est à la fois dans la table de 3 et de 25. Donc 75 est bien un multiple de 3 et de 25. En revanche, pour les diviseurs, ça vous paraît peut-être un peu compliqué que j'écrive ça à partir de ça. Eh bien, je vais vous le prouver. Je prends une calculatrice. On avait dit ensemble que si 3 est un diviseur de 75, alors si je tape la division 75 divisé par 3, je devrais tomber sur un nombre entier. Eh bien, si je le tape, et vous pouvez le faire chez vous, je tombe sur 25. Donc 75 divisé par 3, on obtient 25, c'est un nombre entier. Donc 3 est bien un diviseur de 75. De la même manière, si je tape 75 divisé par 25, alors je le fais, j'obtiens 3. On obtient un nombre entier encore une fois. Donc 25 est bien un diviseur de 75. D'accord? Alors tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que lorsque vous tombez sur une division euclidienne dont le reste est nul, important, alors il y a un lien de multiples et diviseurs entre le dividende, le diviseur, et le quotient. Et pas n'importe quel lien. Lorsqu'on a un reste nul, le dividende est toujours le multiple du diviseur et le multiple du quotient. Toujours. Je vais mettre un M comme multiple. 75 est un multiple de 3 et de 25. Toujours. Et le diviseur est un diviseur. Vous voyez, ça se répète. Est un diviseur du dividende, mais également le quotient est un diviseur du dividende. Et tout ça est possible seulement lorsque le reste est nul. Autrement dit, si dans un exo on vous dit, est-ce que
345 est un multiple de 15. Je dis n'importe quoi. Eh bien, au lieu de se dire, alors attends, dans la table de multiplication, il faut que je retrouve quelle table, etc. On peut, si on a le temps, poser tout simplement la division euclidienne, voir si le reste est nul. Et si le reste est nul, super. Ça, c'est un multiple de ça, mais également de ça. Ensuite, ça, c'est le diviseur de ça. Et ça, c'est également le diviseur de ça. Vous voyez ? Donc, je répète, un reste nul vous annonce plein d'informations sur les diviseurs et les multiples des trois nombres ici présents, sur leur lien entre eux. D'accord ? Seulement si le reste est nul. Ok ? Donc ça, c'est important, c'est un point très important entre multiples diviseurs et reste nul d'une division euclidienne. C'est équivalent, enfin, il y a un lien plutôt entre les deux, et il faut savoir jongler entre les deux là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord écrire le petit cours associé à ce point-là, dans votre cahier de cours à la suite de ce qu'on a fait la dernière fois, vous allez écrire ce qui apparaît maintenant à l'écran. Allez-y. Alors voilà, votre cours est écrit. Maintenant, avant de passer aux exercices que je vais vous proposer juste après, il est important, je pense, de bien faire un point sur les différentes méthodologies appliquées en fonction des exercices qui vont venir. Alors, vous avez vu, je vous ai fait tout un petit speech sur le lien entre la division euclidienne avec le reste nul et les multiples et les diviseurs, etc. Donc là, on sent bien que tout est lié. Maintenant, dans les différents exos que je vais vous proposer, il ne va pas falloir forcément poser des divisions euclidiennes tout le temps partout. Alors, ce que je vais faire maintenant en 5 minutes, c'est vous expliquer, en fonction des différents exos qui peuvent arriver, quel est le raisonnement que vous devez adopter. Alors, premier type d'exo, si on vous demande, par exemple, trouve les 5 premiers multiples de 15. Donc, des multiples de 15. Multiples, on sait que c'est dans la table donc, de multiplication. Là, ici, pas besoin d'aller poser des divisions euclidiennes. Donc là, c'est simplement faire des multiplications à partir de 15. 15 fois 1, 15 fois 2, ça, c'est les multiples de 15. Donc, si on vous demande de trouver les multiples de 15, les 5 premiers, par exemple, eh bien, vous ferez 15 fois 1, 15 fois 2, 15 fois 3, jusqu'à 15 fois 5. Bien. Si maintenant, on vous pose, est-ce que 125 est un multiple de 10? Là, par contre, on peut poser une division euclidienne. Vous posez votre division euclidienne, 125 comme dividende, 10 comme diviseur, vous faites votre division. Si vous tombez sur un reste nul, effectivement, 125 est un multiple de 10. D'accord? Voilà, par exemple, pour ce genre de questions. Maintenant, si on vous dit, est-ce que 7 est un diviseur, maintenant, de 741? Pas besoin de poser une division euclidienne. Vous tapez à votre calculatrice la division, 741 divisé par 7, et il faut tomber sur un nombre entier. S'il est entier, 7 est un diviseur de 741. S'il n'est pas entier, 7 n'est pas un diviseur de 741. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu en vrac. J'espère que ça va vous aider, parce qu'on va commencer maintenant avec les exos à faire, et je corrigerai quelques questions de chaque exo au tableau. Allez-y, sur votre cahier d'exercice. Hein. Allez-y. On va passer donc à la correction du 38. Moi, je vais corriger simplement le A ici, et après, je vous mettrai la correction entière dans la vidéo. Pourquoi je fais ça? Parce qu'avec le A, si vous comprenez la correction du A, le reste sera facile, d'accord? Et justement, ça vous permettra, en ayant compris le A, si vous sentez que les autres questions, vous ne les avez pas fait forcément sur le même raisonnement, vous pourrez mettre pause dans la vidéo, recommencer vos exos et revenir au moment de la vidéo où je projette la correction de tout l'exercice. Je commence simplement par le A. La question A me demandait... donne ou écrit la liste des 10 premiers multiples de 6. Donc, multiple de 6. Alors, on a dit que les multiples, c'est donc ce qui se trouve dans la table 2. Donc, on veut ici les multiples, les 10 premiers multiples de 6. Eh bien, c'est parti. Le premier multiple de 6, c'est tout simplement 6 fois 1. 6. Ça, c'est le premier multiple de 6. OK ? Le deuxième multiple de 6... qui vient juste après, c'est 6 fois 2. Vous avez vu, hein, toujours dans la table de 6, c'est ça qui fait qu'on parle de multiple de 6. Hein. Ça fait 12. D'accord? Ok? Alors maintenant, je vais continuer sans écrire les multiplications à chaque fois. Donc ensuite, 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. Donc on va dire 1, 2, 3, 4. D'accord? 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42.
6 fois 8, 48. Vous avez vu, à chaque fois, c'est donc dans la table de 6. Hein, multiple de 6. 6 fois 8. 6 fois 9, 54. Et 6 fois 10, 60. On a ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premiers multiples de 6. Mais certains vont me dire, monsieur, pourquoi est-ce que les 10 premiers, on pourrait prendre 6 fois 1, puis passer à 6 fois 3, à 6 fois 5, et puis à 6 fois 10, 6 fois... Pourquoi est-ce qu'on doit respecter 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3? Et bien en mathématiques, quand on dit les 10 premiers, c'est qu'on respecte donc, si vous voulez, l'apparition des nombres entiers avec à chaque fois 1 en plus, un incrément de 1, c'est-à-dire qu'on augmente à chaque fois de 1. 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, jusque 6 fois 10. Voici donc les 10 premiers multiples de 6. Si vous avez compris, si j'avais demandé les 10 premiers multiples de 4, il aurait fallu faire 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, etc., etc., jusqu'à 4 fois 10, 40. Voilà donc la première question, et maintenant, je vais afficher dans la vidéo la correction de la fin de l'exercice. Vous pouvez mettre pause maintenant et revenir à vos questions si vous avez mieux compris avec ma correction pour apporter des modifications à vos réponses, ou sinon, la correction donc, de l'exercice 38 va s'afficher maintenant. Bien, exercice numéro 46. Dans cet exercice, on vous propose un nombre entier, 18144, et on vous demande de vérifier si la liste donc, des nombres donnés sont bien des diviseurs de 18144. Je vous rappelle donc que pour vérifier un diviseur, d'ailleurs ils le disent dans l'énoncé, il faut simplement prendre la calculatrice, réaliser la division, donc l'opération, et vérifier si on tombe sur un nombre entier. Donc, je fais pour la question 1 moins. Est-ce que 18 est un diviseur, c'est une question, hein, de 18144. Donc qu'est-ce que je tape à ma calculatrice? Je tape 18144 que je divise par 8, par 18. Pardon. Et bien si je tape ça à ma calculatrice, je tombe sur 1008. Est-ce que 1008 est un nombre entier? Oui. Et donc 18 est bien un diviseur de 18144, puisque la division, le quotient de 18144 par 18, donne bien un nombre entier. Pour la suite de l'exercice, je vous l'affiche maintenant à l'écran. Bien, et donc pour le dernier exercice, le 49, il y avait trois questions, je corrige la première. Alors, la première question était de donner tous les diviseurs de 16, c'est-à-dire tous les nombres qui divisent 16, tous les nombres qui... lorsque 16 est divisé par ce nombre, on tombe sur un résultat entier. Alors je vous rappelle que dans l'histoire de diviseurs, tous ceux qui vont diviser 16 vont être plus petits que 16, d'accord? Un diviseur ne peut pas être plus grand que 16. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple 16 divisé par 20, vous pouvez taper votre calculatrice, vous ne tomberez jamais sur un nombre entier au résultat. Je vous rappelle, pour avoir un diviseur, il faut que la division, le quotient, donne un nombre entier. Donc ici, forcément, les diviseurs de 16 vont être plus petit que 16. Alors on commence toujours par tester le plus petit qui existe, le nombre le plus petit entier, sauf 0, attention, hein, bien évidemment. On commence par 1. Si on fait 16 divisé par 1 à la calculatrice, on tombe sur 16. Donc 1, 16 est un nombre entier, on tombe bien sur un nombre entier. 1 est un diviseur de 16. Ensuite, quel autre nombre divise 16? Alors moi j'en ai un qui vient très rapidement dans ma tête, c'est évident, si on fait 16 divisé par 2, on tombe sur 8. 8 est un nombre entier, donc 2 est également un diviseur de 16. Là on écrit les diviseurs hein, de 16, pas les multiples. Hein. Les multiples ça aurait été 16 fois 1, 16 fois 2, 16 fois 3, là on cherche les diviseurs, d'accord? Bien, est-ce que 3 divise 16? 16 divisé par 3, moi ça me donne, ah ben, ça me donne pas un nombre entier, ça me donne environ égal à 5,3, 3, 3, etc. Donc, ça n'est pas un diviseur. Est-ce que 4 divise 16? Ben oui, sans poney à table de multiplication, ça donne 4 au résultat qui a un nombre entier. Donc 4 divise 16. Est-ce que 5 divise 16? On fait 16 divisé par 5. On tombe sur 3,2, ça n'est pas un nombre entier, donc 5 ne divise pas 16. Est-ce que 6 divise 16? On tombe sur une valeur qui n'est pas entière non plus, donc on continue, on continue, on continue. Et si vous continuez comme ça, jusque 16, vous allez trouver... Alors, on peut taper à la calculatrice tous les diviseurs potentiels jusque 16, sinon on peut aussi les deviner rapidement. Ici, on a encore donc 8 comme diviseur de 16, hein, puisque 16 divisé par 8, ça fait 2, d'accord? Et on a encore 16 qui est un diviseur de 16. Ben pourquoi? Si je tape 16 divisé par 16 à ma calculatrice, je tombe sur 1. 1, c'est un nombre entier? Oui. Donc 16 est un diviseur de 16, d'accord?
Voici la liste de tous les diviseurs de 16. Ok ? Pour le reste de l'exercice, je vous laisse regarder la correction à l'écran. Et bien voilà, votre petit cours sur les multiples diviseurs est écrit. Vous avez compris qu'un multiple, c'est donc un nombre qui se trouve dans la table de quelque chose, d'accord ? Et un diviseur, c'est un nombre qui divise un autre nombre pour obtenir un résultat entier. Et vous avez vu surtout que l'histoire de multiples diviseurs est étroitement liée avec la division euclidienne, pardon, à partir du moment où le reste est nul. D'accord ? C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a fait 3 exos qui étaient liés. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à les reprendre, à regarder la vidéo, à m'envoyer des petits mails, hein, si vous ne comprenez pas. N'hésitez surtout pas. Il y en a de plus en plus qui le font et ça me fait plaisir. D'accord ? Sur ce, je vous dis bon courage dans les autres matières. Je sais que vous avez du travail. Gardez votre motivation surtout, c'est très important. Et puis on se revoit très très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis j'espère aussi très vite dans la vraie vie.